In the room, like every day, after training. On est J-4 avant le combat contre Ali sur Ibra TV. C'est assez particulier comme contexte, comme sensation, parce que c'est pas comme un combat de fédération, un combat à la fédé. Là, c'est un combat qui va être filmé, qui va être beaucoup vu, qui va être beaucoup repartagé, que les gens attendent, mec, sous chacun de mes posts, dans mes DM, toutes les 30 minutes, j'ai un message me demandant quand est-ce que c'est le combat avec Ali. Pour ceux qui n'ont pas suivi, le pote du Tchétchène que j'ai battu chez Ibra TV, ok? Ce gars-là, tout le monde attend le combat. Tout le monde attend le combat et moi le premier. J'ai très hâte que ça se passe. C'est dans 4 jours. On est mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. C'est dans 4 jours. Il y a un piège qui se dresse devant moi. C'est le suivant. Au premier abord, j'ai très envie de le sous-estimer. Il reste encore énormément, mec, de choses à améliorer. Mais je me considère correct, on va dire, comme combattant. J'ai fait les championnats de France. J'ai combattu des adversaires qui avaient un vrai niveau, qui s'entraînaient dur. Ali, je suis pas sûr qu'il a la même discipline, la même régularité, les mêmes coachings. Enfin bref, j'ai envie, au premier abord, de le sous-estimer et de me dire, mais mec, je vais le manger, ce bouc. Je vais lui marcher dessus, je vais le graille. Attention. Attention. En plus de ça, mec, sur toutes les vidéos, là, je viens de regarder son compte vite fait, par curiosité. Dans les messages, c'est Paul va gagner, Paul va le fumer, Paul va le fumer. Dans mes messages à moi, mais comme c'est vas-y, tue-le, tu vas le niquer, c'est gagné d'avance. À la salle, on me dit, mais frère, de toute façon, tu vas le battre et tout. Attention. Attention. Et là, je me parle à moi-même, tu vois. Toujours plein de remises en question. Avant chaque combat, je me dis, mec, tout peut s'arrêter là. Tout peut s'arrêter après ce combat. Faut tout donner. Mais avec souvent quelques jours avant, je suis stressé. Je suis pas bien, mec. Je me sens pas à l'aise, tu vois. Après, quand le combat arrive, boum, le jour du combat, ça. Enfin. Ça dépend en fait. J'allais dire le jour du combat, je me sens libéré, mais. Après le combat, quoi, je suis libéré. Mais c'est bien en fait. J'ai appris à comprendre que ce stress, cette petite peur, tu vois, cette petite boule entre. C'est ça qui me fait être bon, tu vois. C'est ça qui te fait être sur le qui-vive. Et sans s'allumer. Ou réactif. Ou réagir au quart de tour. Ouais. Tu veux être quoi? Non, je parle à Paul. Ça va, bon. Tu peux faire un pipi? Ouais. Bon, du coup, on part devant, non? Ouais, voilà. On va voir la voiture. Ah ouais. Travaille. Allez, let's go. C'est quoi, j'ai juste pris mon protège-dents. Je suis venu comme ça. J'ai rien pris d'autre. Je suis venu vraiment avec mon bigot, mon protège-dents. C'est tout. T'as rien pris d'autres? Bah non, parce que c'est eux qui les donnent. Ah ouais? Bah t'en as toi, ok. Ouais, j'aime bien les gens. Bon, dis-moi, frérot, tout à l'heure. Ouais, tout à l'heure. J'ai chaud. J'ai chaud, ouais. On n'a pas fait en route vers l'inconnu, on n'a pas fait avec ça, non? Il y a train à quelle heure? 11h30. Ah, 11h15, 11h30. Tu es comment là, Popol? Écoute, frérot, comme d'hab, hein, stressé avant l'événement. Moi, j'aime bien quand c'est comme ça, en fait, avant les événements. Je suis très stressé quand je suis chez moi et tout. Après, plus je me rapproche, moins je suis stressé et plus je suis confiant. Donc stressé, mais de moins en moins. Quand on va arriver sur les lieux, je vais être focus et juste dans le combat. J'ai hâte d'y être. Bah ouais. On va pas se faire niquer bêtement. Un kilo de plus. Eh frérot, un kilo de plus. Non, c'est pas grave. Il part pas dans la bouche, il l'a perdu de constatation. Il est pas fatigué avant toi. Là, par contre, si tu te jettes et que tu fais le con, c'est là où tu peux te faire toucher ou un truc de con. Que même un débutant, il pouvait te faire. Donc vraiment, tu restes super calme, tu prends ton temps, tu touches contre les mains, tu laisses les jeter, tu pars, tu contres comme tu sais faire, tu fais par le vol, tranquille, tu contrôles tes émotions, tes émotions, tout ça. Tu sais ce qu'il va faire, il va être là. Tu vas faire un débat, je vais te dire, il va faire un coup de tête, 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 il va fa
fais donc 30 et tu me fais 2 sprawls. Tu respires, tu vas boire. Hey Paul, t'es prêt, tu vas le fumer comme d'habitude. In out, distance. Papa, tu sors. In out, là t'as de très bonnes attitudes. Tu vas rentrer, tu vois. Hop, tu vois tous les golemons autour de toi là. Tu sors bien sûr avec toi-même. Tu rentres, t'entends rien. T'es dans ton combat. Tu vois que la tête de l'autre. Tu lui fais une masterclass. Tu... Pas de guerre inutile, ouais, Paul. Le stress est à son paroxysme pour moi. Pas pour toi, mais t'es ma frère, on sent. C'est chaud, son truc. On dirait Masvidal avant ses combats à l'UFC. J'ai un souvenir, Masvidal qui fait des. Qui s'entraîne sur des vieux terrains comme ça là, et après il fait des combats sur des terrains de foot pareil. C'est le chemin qui nous est destiné, hein. On commence comme ça et après on finit à l'UFC. Let's go. Putain d'attente. J'ai jamais l'attente. Des heures d'attente. Enfin les gars, enfin. Tu respires, respire bien.
Je t'ai un peu laissé emporter à des moments, mais t'as très bien combattu pour l'instant. Il y a une indication. Dès qu'il va manquer ses coups, tu dois remettre derrière. Il se jette sur toi. Tu vois que tu ne les prends pas. Quand tu fais pas le coup, dès qu'il tombe derrière toi, qu'il échoue, tu dois remettre avec ta gauche. Pense vraiment à ça. Esquive, tu remises. Bouge avec ta tête, ne reste pas dans l'axe. Tes jambes arrière, elles marchent bien. Tu continues ça. N'hésite pas à bien les piquer au corps. Continue avec ton jambes arrière et ton travail. C'est bien, c'est super. C'est bien. Pense à ton low kick dans la tête pour déséquilibrer les flots comme ça. Après, ta gauche, qu'est-ce que tu fais? Low kick, bam! C'est pour toi. Bon, il n'y a pas de cinéma ici. Pas de cinéma, contrôle. Sors la tête de l'axe, Paul. C'est ça. C'est ce qui marche là, ça. Avant deux trucs, vous avez dit les gars, faites attention, c'est un monstre. C'est ça, en fait, il se réveille d'un coup et voilà, c'est ce qu'il fait. J'ai vu ses combats pendant la Championnat de France, il avait fait contre Vidal. Sa jambe avant il est violé. C'est pour ça que là, vous avez vu le roi. Tu sais que tes low kicks inter externes parce qu'il était violé, il faisait ça à chaque fois. Regarde, t'as voir sa jambe, elle est violée. Tu veux pas sortir ta putain de tête de l'axe. Ouais, frère. Violé. C'est bien. Let's go. Je suis fier de toi, mon frère, c'est bien. On a pris deux balles, t'as pas lâché. Ouais. J'ai oublié, merci à Nate Fightwear qui m'a sponsor, une marque suisse les gars, dans ma vidéo YouTube vous en parlerez, et un gorille de la boisson juste là. Merci à toi d'avoir donné toute cette énergie, d'avoir accepté le combat, d'avoir donné ta personnalité. Et profite-en bien ton combat aujourd'hui. J'espère que tu as dépassé tes abonnés, le souhaiter que tu as rempli de ce confort. Parce que tu le mérites, tu as le courage, tu as l'entraînement. Voilà quoi, s'il vous plaît. Le travail paye. Victory is a taste I like. Ça se dit ça? Ça passe. Putain les gars, la victoire. Ah ça va, je suis pas trop marqué. En fait je sens là
Je sens comme un bleu, tu vois. J'ai l'impression que ouais, je suis. T'as une marque rouge. Ouais, un peu. Ouh, la pression, mec. Bah, ça, c'est cool, tu vois. C'est-à-dire que je suis capable de gérer la pression. Mec, j'étais à gérer la pression, gros, hein, ouais. Putain, mec, avec tout le monde autour du terrain. Oh, putain, ça brûle sa mère. Je te jure, c'est fou, c'est chaud. Ouais, non, grosse pression. Pression et tout. Il tapait fort, mec. Il donnait toute sa vie. Vas-y. Vas-y. Il bute, lui, mec. Envoie ma photo. Je vais lui envoyer. Et ils ont faim. Hein. Ah, merde, excuse-moi, j'ai oublié que tu étais en train de filmer. Non, mais frère, tu peux parler normal. Hein. Ouais, ils ont... chaque fois, ils veulent recombattre à la fin. Mais ouais, mais mec, lui, il veut me recombattre 6 fois. Ouais. Ouais, c'est un truc de ouf, c'est le même groupe. Encore si c'est à inégalité, tu vois, ouais. Ça se comprend. Mais... Ouais, là, ouais, ils veulent juste tous ils veulent me tordre. Comment tu t'es senti Pas mal de pression, mais surtout, je sais pas pourquoi. Tu vois, au championnat de France, j'étais réveillé, j'étais éveillé, j'étais là, j'étais présent. Là, mec, des fois ça m'arrive, ma tête était endormie un peu. Tu vois, j'étais obligé de me gifler pour me réveiller la tête. Tu vois, t'as le cerveau qui est un peu mou. Je sais pas, c'est dur de rentrer dedans parfois. Pourtant, j'avais fait la montée de cœur, tout ça, mais je sais pas, j'avais du mal à rentrer. Et voilà, et au final, j'étais surpris, il tapait dur. Je pensais qu'il allait me foncer dessus directement pour me lutter. Finalement, finalement, il m'a pas lutté tout de suite. Et en vrai, il tapait fort, il met des grosses frappes. Et je suis un peu déçu de moi, il y a des trucs, il y a des frappes j'aurais pas dû prendre. Je bougeais pas bien, je sortais pas bien de l'axe et tout, j'étais pas à mon full potentiel. J'aurais pu faire bien mieux. Je l'ai touché quelques fois, je crois, mais il faut que je revoie le combat. Je me souviens plus exactement de tout, mais voilà. Mais les gars, vous en avez pensé quoi du combat? Vous êtes pas trop fait chier parce que l'attente était longue. Non, c'était bien. Il frappait en ligne, frérot, tu les prenais toutes, frère. Les droites qu'il mettait. Ouais, ouais. Quand il frappait en ligne, tu désaxais. Après, j'étais pas dans le combat. Ouais, tu vois, non, mais c'est... En plus, normalement, ça, j'arrive à le faire, mais je sais pas, là, j'ai pas réussi. J'étais pas à mon full potentiel. C'est dommage. Après, nickel, frérot, le résultat, il est là, tu vois. Ouais, c'est sûr. Après, si je pouvais gagner sans prendre de coups, ça aurait été le mieux, tu vois. En fait, tu l'as eu comment sur la fin? La clé, tu l'as même pas rentrée. Enfin, qu'est-ce qu'il a fait en fait? En fait, il a laissé traîner un bras. Moi, je lui ai chopé le coude. J'ai passé ma jambe. Je te montrerai, je te ferai une démo. Je lui ai fait une clé de bras. Je lui ai étendu le coude. Je lui ai fait une clé d'articulation sur le coude. Ouais. Et en fait, ça, c'est très puissant parce que t'as tes deux cuisses qui poussent contre un biceps, contre un bras, mec. Donc, tu peux pas. Enfin, à moins que si c'est verrouillé, c'est mort, tu vois. Et là j'ai tiré comme un bœuf, il était obligé de taper, sinon je lui cassais le bras. Et c'est venu instinctivement ou instinctivement. Dans ta tête tu t'es dit il faut que je fasse ça maintenant? Instinctivement, t'as pas réfléchi. Mais en fait c'est ça l'entraînement, quand c'est automatique, quand tu t'entraînes beaucoup, tu fais des trucs tout le temps, tous les jours, et bah, au bout d'un moment ça devient automatique. Et là j'ai senti le bras, j'ai même pas vu, je l'ai senti, je l'ai pris, hop, cuisse, bam bam. Et c'est pour ça qu'il faut que je fasse plus de boxe pour automatiser aussi mes combos, automatiser mes esquives. Normalement je les sens bien, mais là, au championnat de France, je me suis pas fait trop toucher. Là, j'ai fait tout en ligne. Et en fait, peut-être mon dernier adversaire, Vidal, qui est aujourd'hui mon coéquipier, je sais pas si vous avez vu, il a combattu aujourd'hui aussi YFC. On s'est échauffé ensemble, on s'est soutenu l'un l'autre. Lui, il envoyait beaucoup de crochets larges qui se voyaient de loin. Et là, c'était des directs qui partaient bien. Il avait des bons directs. Et ouais, j'ai pas eu les bons réflexes. Je me balançais pas assez pour pouvoir les esquiver. Bon, bref, il y a encore des choses à améliorer, mais c'était cool. Je suis content. Le résultat est là, c'est le plus important. J'ai pu faire ma pub. Je pense que les sponsors vont être contents, donc c'est carré. T'as dit quoi pour la suite? Tu sais pas trop, t'as d'autres priorités pour le... La suite, frère, t'as vu, il y en a encore. Il y en a un, ils voulaient me combattre direct après. Je le savais, je crois que j'en ai parlé plus tôt dans la vidéo. Je savais qu'il y allait avoir un deuxième book qui allait vouloir me combattre juste après. Et je savais exactement qui c'était. C'est le gars, mec qui s'appelle Hanzor. Mais c'est un combattant professionnel. Là, c'est pas le même niveau, il est très très bon. Et donc, je voulais pas le prendre comme ça après un combat où on s'est tapé dessus déjà. Donc, je voudrais vraiment me préparer si on le fait, si jamais on le fait, mais ce serait plutôt en 2024, quoi, dans plusieurs mois. Parce que j'ai déjà des échéances en fin d'année. Je me suis dit, à un moment, je me dis, vas-y, chauffe-toi, fais le deuxième combat. Parfois, faut pas pousser le bouchon trop loin. Je me suis dit, t'as fait ce qu'il fallait, t'as gagné ton combat. Là, je sais que le gars en face, il a un gros niveau, fais pas n'importe quoi. Voilà, j'ai préféré mettre mon ego de côté, décliner l'offre pour cette fois-ci, la reprendre pour une prochaine fois. Déjà payé le loyer. C'est payé. Hein? C'est ouf parce que tout commence dans cet appartement et tout finit dans cet appartement. Oh, puis j'ai le seum, frère, vous partez bientôt là. Faites les cartons, ça déménage. Putain, j'ai marre des histoires ici. Je retourne chez mes parents, frère. Putain, quelle histoire. Ah, moi, je retourne dans la rue, frère. On a voulu se lancer dans l'MMA. Quelle idée. On a pas fait du foot. Eh bah ouais, frère, je gagnais bien ma vie, je suis bien. J'envoyais, hein. Pas d'oseille, frère. On a pas fait du foot, putain, les gars. On aurait une ville à Cannes, là. Eh, je vais te montrer mon T2. Ah, j'ai hâte. T'as hâte? Tu l'as déjà connu? Non. Si. Ah non. Je vais te montrer T2.
Montée de l'appartement. Où? Ah, la voiture. Ah, la Gova, hein. J'ai aménagé et tout, petit écran. Ah, c'est vrai, j'ai hâte de voir ça. Vas-y, on y va. Vas-y, go. RMC, on arrive. Je suis en LAN, maman, je peux pas faire pause. Je suis en pleine game LOL, là. Je suis en LAN. Putain, mais coupe pas le partage de 4G. Je suis sur la lane. Je suis dans le top 15, maman, je suis dans le top 15, j'ai trouvé une Scar. Star Gold. J'ai mis le skin clown. Il spam. Putain, les gars, aidez-moi. J'ai besoin d'une box, les gars, j'ai besoin de soutien. Non, en vrai, je joue à Pokémon Go. Le fameux T2, frère. Ah ouais, tu l'as. Putain, t'as investi. Ah, tu veux faire comme ça? Moi, je suis sur le risque, mais. Vas-y, je ferme la porte, vas-y. Au calme. Bah, rien se passer, poto, rentre tes pieds. T'as aménagé. La bonne débrouille, comme on aime. Que typiquement tu vas chez ton pote, que tu vois que quand tu vas chez ton pote c'est mieux que son daron quand vous allez au McDo, tu vois la voiture elle est un peu mieux. Mmh. Je peux comprendre qu'en toi tu te dis, attends moi je veux aller chercher ça aussi, je veux avoir ça, je veux le vivre, mais avec moi aux commandes, tu vois. Ouais, c'est vrai, quand tu l'as buté après faut avoir la déterre aussi de se dire ok je vais me mettre à fond, moi aussi je veux avoir ça. Donc... Juste un coup de pied retourné, on l'a déjà vu. Tu fais un cours de combat, toi? Non, enfin, moi je prends des cours en mode touriste, tu vois, pour essayer de m'habiller, mais c'est très dur pour moi. C'est très très dur. Voilà, un coup de pied bien, moi c'est juste comme ça. Toi, tu te retournes et tu mets un kick comme ça, tu vois. Genre en poussant. Tu fais un peu en vitesse faite. Un peu plus fort. Ah, c'était pas très fort ça? Non, tu vois, mais celui-là, quand on le fait un peu bourrin, il ne faut pas le frapper ici. Putain, mais là, j'ai loupé la première fois. Il est concentré, le bonhomme, là, quand même. Bon, du coup, c'était comment le petit live. Débrief, quoi, carrément. Bah, écoute, ça s'est pas pris la tête, mon gars. Ça a parlé à cœur ouvert, c'était marrant. J'ai été honnête sur mes ambitions, mes envies, la direction que je voulais prendre, mon environnement et les gens qui m'entourent. Mon petit passif, on va dire. Et écoute, l'honnêteté, hein, franchement, j'ai un petit peu dévoilé. C'était très marrant, très, très gaulerie. Ça a permis d'établir un premier contact avec RMC. Donc, peut-être pour plus tard des prochains projets, ça peut être très, très sympa. Tu t'es senti comment en live, première expérience comme Moi, j'adore. Hein. Moi, à l'aise, franchement, je kiffe ça. J'adorerais faire un jour un petit rendez-vous hebdomadaire, tu vois, sur Twitch, sur une chaîne de n'importe qui, moi ou peut-être quelqu'un d'autre, pour jouer aux jeux vidéo, parler avec vous en direct, ça serait le feu, tu vois. Un de ces quatre, il y a moyen dans les deux ans, tu vois, je suis chaud d'avoir un petit bureau et de m'installer un petit setup. Ça peut être carré. Voilà. Bon, mais bref, bon petit bilan de la journée. Beaucoup de tension, beaucoup de stress comme d'hab, hein, c'est des combats, ça rigole pas. Écoute, c'était le zoo, frère. C'était le zoo, bordel, mec. C'était le zoo, il y avait des putains d'animaux autour du terrain. Hey, j'étais une bête de foire. Mais bon, c'est ça qu'on aime, c'est ça qu'on kiffe, la violence. Heureusement, je m'en sors qu'avec un petit cocard, ça va là. J'ai pas grand chose. Finalement, il était plus solide que ce que je pensais. Il cognait dur, il encaissait bien. Donc, vénère. J'ai été opportuniste. J'ai vu l'opportunité de finir le combat. Voilà, je l'ai prise. J'ai terminé le boulot, donc c'est carré. J'espère que vous serez contents de cette vidéo, les gars. Contents de ce retour. Vous l'attendez avec impatience. Je vous l'ai donné sur un plateau, sur un bûcher. Moi, je vais finir ma journée avec ce magnifique coucher de soleil, comme d'habitude, sur mes toits de Paris. Ça change pas. Tous les soirs, je suis là, mais avec les voisins dans cet immeuble, ils doivent se dire, mais putain, mais qu'est-ce qu'il fout? Mais casse-toi d'ici, putain! Je veux me trimballer, le gars galère, c'est pas compliqué quand même! Je te jure, il y a un bouc qui me regarde là, à la fenêtre là-bas, il doit se dire, mais le bouc il parle tout seul à son bigot, mais qu'est-ce qu'il fout? Mais n'achève-toi de là, poteau! Putain, mais bordel, mais Natacha, regarde le jeune, moi je veux me balader en peignoir, les couilles à l'air dans mon salon, c'est pas possible! Enfin bref, voilà frérot, une sale journée, encore de la bagarre, comme d'hab, vous connaissez le délire. J'aurais pu faire mieux, en vrai, j'aurais pu mieux combattre, on peut toujours faire mieux, je suis pas ultra satisfait de ma performance, mais un truc que j'ai remarqué, c'est qu'en vrai c'était le zoo et en fait j'étais pas concentré extrêmement. Enfin, c'est pas comme quand t'es dans un octogone, t'as que l'adversaire devant toi, tu vois tout venir. Là, t'as des boucles dans tous les sens, ça gueule. T'as les mecs qui sont dans ton oreille, ils gueulent dessus là, tu sais. T'as des boucles derrière, ça va dans tous les sens. T'as pas des bons appuis, c'est la street, franchement, c'est la street. J'ai mal au-dessus du pied à cause de taper sur les protèges tibiales avec mes bah, le haut du pied quoi. J'ai un peu mal au crâne, j'ai pris quelques petits coups quand même. Mais ça le fait, c'était une bonne journée, une sale journée, on finit sur une victoire, c'est ça le plus important. Ah, on finit la journée avec le sourire. Voilà, on n'a pas fini à l'hôpital, donc ça c'est vénère. Lâchez un gros pouce bleu les gars, abonnez-vous à cette putain de chaîne. La belle vie, la vie d'Aloca. Je vous embrasse fort mes refs, nous sommes heureux, nous sommes vivants. Le sang coule dans mes veines, ainsi que l'eau dans les rivières. Je commence à dire de la merde, il est temps de couper la cam. Je vous embrasse fort les refs, ciao, bisous.